Bien, salut à tous les amis, c'est Jinta Dragonil et bienvenue pour l'épisode 2 de la maison du Dragonil. Voilà. Bon, nous allons nous y remettre. Eh oui. Donc j'ai fait un peu d'hors caméra, enfin vite fait, hein, j'ai pas fait grand chose, j'ai juste rallongé là, comme ceci. Et mis un peu d'herbe au niveau du balcon pour que ça rend assez joli. Donc, faut que ça soit joli là aussi. Nous allons allonger ici. Ah ouais, quand même. Ah ouais, le son il a pas l'air fort. Attendez. Voilà. Je disais que le son n'était pas si fort. Pef. C'est bon, désolé, il y a eu un petit bug. C'est rien. C'était rien du tout. Voilà, ça fait à peu près joli. Je dis bien à peu près, hein. Bon. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons continuer vers l'intérieur, hein, tout simplement. Nous allons rentrer à l'intérieur, faire à l'intérieur, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi dans l'épisode précédent, nous avons fait un salon, pardon, et une chambre. Et on a une belle vue quand même, hein. Donc moi je dis déjà, hop, nous allons nous faire un escalier comme ça. Et le casser de là parce que sinon, ce sera pas très très beau. Voilà, un escalier. Ouais, ça peut être pas mal. Par contre c'est dommage. Donc je pense que je vais le faire en bois. On boit comme ça, ça peut être pas mal. Tac et tac. Et prendre de ça. Ça fait bien ou moche? Ça, fou, ça fait pas si moche. Content. Ah! Attendez. Ah! 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 Je suis tellement content là. Mais attendez. J'y vois rien, j'y vois rien. Pas de panique, pas de panique. Ne paniquons pas, ne paniquons pas. oui, bah, paniquons un peu. Oh, vous inquiétez pas, on va... Déjà, merde. Ouais, paniquons un peu, quand même. Paniquons un peu, paniquons un peu. Pas de panique, pas de panique. Non, ne paniquons pas. Arrêtons de paniquer. Et soyons assez intelligents. On va enlever toute cette eau de chfaf là, de merde. Avant pas me casser les couilles, hein, parce que... Eh, merde, c'est moi quand même qui la fabrique, la maison. La maison du Dragonil, elle sera... Comme il faut et comme je le veux, bordel. Voilà, bon. Ouais, il va falloir enlever de l'eau ici aussi. Voilà. Parce que...
Hop, faut faire un double. Hop, voilà. Bon, au moins ça nous fait gagner du temps parce que on aura. Ça nous a fait un peu gagner de temps. Pas besoin de creuser énormément. Et merde, fallait s'y en douter. Ah non, ça a pas trop, ça a rien défoncé, parfait. Voilà, comme ça. Je sais pas trop ce que je vais faire comme pièce ici, mais bon. Pourquoi pas une petite salle de jeu? Ça pourrait être pas mal, ça. Pourquoi je dis ça? On verra. Non mais pour une salle de jeu, pardon, pour une salle de jeu, il faut que je fasse ça plus grand quand même. Ah oui, quand même. Ça a l'air pas mal, ça. Oh, excusez-moi. Les applications de chauffage. Et merde. Tac, 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 tac. Merde. Où suis-je gouré? Là. Tac, tac, tac.
Non, voilà. Voilà, c'est parfait ça. Et je pourrais même refaire un petit balcon là. Une petite sortie. Oui, je sais. Mais bon, de toute façon, je vais pas. Sinon, ça va être trop moche. Je vais le faire avec ça. Façon, faut penser aussi à ça. Ça va être de deux, mais bon, ça va être. Paf, paf, paf. Merde. D'accord. Tac. Ah, je casse à chaque fois un truc dessous. C'est pas possible. Presque fini le sol déjà. Si j'arrête de casser ça. Voilà. Ou alors ici, je fais plutôt. La salle à manger, salle de jeu, salle à manger, salle. Je sais pas. Je crois que je vais faire plutôt salle à manger ici, parce qu'une salle de jeu, c'est pas vraiment l'idéal, hein. On s'en fout un peu en fait. À peu près plus propre ça. Et alors, on met le plafond.
Yeah. Bah voilà. On est déjà bon. Là. J'ai plané à peu près déjà. Par contre, j'ai pas laissé ça. Sinon, ça fait un peu trop moche quand même. Remplacer comme ça, voilà. On a dit pour le balcon, on met de la vitre rouge. Non, j'arrête là. Voilà. Bref. Voilà, ça fait un peu moderne comme ça fait bien. Bah déjà, ça rend beaucoup mieux. Ça rend beaucoup bien. Beaucoup mieux. Mais bon, j'ai dit qu'on faisait une salle à manger ici plutôt. Ça, je peux pas faire le coup des pistons. La table, je vais la mettre à mon avis vers là. Mais ça, je peux pas faire le truc des pistons. Donc, je vais être obligé de le faire à la barrière. À la barrière. Avec de ça. Donc comme ça sera bien. Largement le suffisant. Voilà. Voilà. Table et tout. Ici, une petite porte avec une petite pièce à côté, mais une petite parce que ça sera la salle de bain. Merde. Un peu plus long quand même. Merde. Qu'est-ce que je fabrique, moi?
la merde. Non, pas besoin que ce soit aussi grand. Voilà. Et merde, fail encore une fois. Pef, 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 pef. Il me faut, me faut. Pas de ce bleu là. Yeah. Je sais pas où il est passé, mais il y avait une bestiole là sur moi là. Ah, j'ai pas envie de savoir ce que c'est. Eh merde. Voilà. Voilà. Ça, voilà. Ah. Voilà. Là, voilà. Donc, en bleu, forcément en blanc. Voilà. Non. Petite baignoire. Voilà. Alors, non, en fait, j'en... Ah, tiens. Ah, là aussi. Parfait. Alors, ça rend déjà pas mal ça. Il faudrait qu'on fasse une cuisine. On a la cuisine à côté de la salle à manger, de toute façon. Pas trop le choix. Et une chambre, on l'a faite. On a fait. Salut.
salle de bain, salle à manger. Et ouais, il manque juste une cuisine. Il y a encore deux. Non, me dis pas qu'il y a encore un. Ah si. Il y en a partout cette merde. Donc voilà. Paf, paf, paf. Ouais, ça peut faire pas mal ça. Non. Au moins comme ça on voit bien que c'est encastré dans la montagne et ça fait joli quand même. Ça fait vraiment vraiment joli. Voilà. Oh mince.
D'accord. Bah ouais, mais ça va tout décaler. Merde! C'est pas grave, c'est réparé. Comme je vous ai dit dans l'épisode précédent, préparez-vous au fail. Voilà, pas trop longtemps, non, pas très longtemps, on a fini, mais bon. Tac-tac. Enfin, je sais pas pourquoi je me suis emmerdé à faire comme ça, mais bon, c'est pas grave. Tac. Alors, ça va être ici, ça va être la cuisine. La cuisine. Voilà. Donc ici, on va creuser de deux. Tac. Voilà. Des fourneaux, voilà. Voilà, des fourneaux ici, comme ça, et ça fait joli. Hop, mets ça comme ça. Tac. Voilà. Paf, 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 paf. Voilà.
Alors. On s'attaque au sol, hein, bien sûr. Sinon, ça fait pas beau, quoi. On avance, les amis, on avance, on avance. On avance bien d'ailleurs. Et merde. On a quelques fails, mais bon, ça on n'y peut rien. Double fail. Ah là là. Ah, ça fait deux fois. Excusez-moi, Twitter. Ah oui, tant que je parle de Twitter, n'hésitez pas aussi d'aller de venir me suivre sur ma page Twitter, qui est aussi Jinta Dragon Hill, et aussi ma page Google+, qui est aussi Jinta Dragon Hill. Voilà. Donc si vous voulez me suivre sur Twitter ou et sur Google+, il n'y a pas de souci. J'aurais peut-être dû dire ça au début de vidéo, mais j'ai carrément zappé, ça m'est carrément sorti de la tête. Mais bon, c'est pas grave. Je vous le dis, je vous l'ai dit, c'est dit. Alors, un plan de travail, on va faire ça avec... Ah, des enclumes. Ah, peut-être dû dire attention aux oreilles. Ensuite, lâchez-moi la grappe. Cette fois-ci, c'est l'email. Je pourrais peut-être prendre une demi-dalle, non? Ça peut peut-être marcher. Une dalle comme ça, est-ce que ça peut marcher? Oh, ça fait pas beau. Ah, dommage. Et bah, je vais prendre une établie avec un autre fourneau. Des fourneaux à chaque endroit, comme ça. Et voilà. Table de travail. Bon, bah voilà. On peut dire que pour le moment, on a fini à l'intérieur. Et puis c'est là où on va se laisser, les amis. Je vais mettre une porte là. Voilà. Tac, je mets une porte là. Et on va se laisser là. Parce que dans le prochain épisode, tout simplement, on va s'attaquer un peu à l'extérieur. À se faire un petit jardin ici, un peu couvert d'herbe, de verdure et tout. C'est bien beau d'avoir une belle maison, mais c'est vrai qu'elle commence à avoir de la gueule, hein. Elle a de la gueule quand même. Donc, les amis, je vous dis sur ce et à la prochaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis aussi abonnez-vous si ce n'est pas fait. Parce que c'est pas bien de ne pas s'être abonné à la chaîne Dragon Hill. Ah non? Et aussi, laissez un bon
Like. Si vous likez pas, c'est pas bien. Bon allez, je vous fais des gros bisous et à la prochaine.